je suis sorti pas prématurément, je suis sorti quand même au bout de 3 heures. J'ai pas réussi à gagner un coup. Au début, j'ai évité un mauvais coup avec une paire d'as. J'ai passé au flop sur une sur-relance. Et j'ai pensé qu'il y avait brelan, il avait effectivement brelan. Mais après, j'ai pu gagner un coup, j'ai pas eu tellement de jeu. Et à la fin, j'ai envoyé mon tapis avec As-10. Et le dernier m'a payé avec As-3. Et ça, je n'ai pas amélioré. Donc voilà. Et sinon, je trouve que c'est une belle manifestation. Vraiment à beaucoup d'égards, parce que c'est super organisé. Le France Poker Tour a fait un super boulot. Toute l'équipe, le staff est super sympa. Et puis nous, on est tous là avec le team et on rigole quand même, de toute façon, même quand on est éliminé. Là, il y a encore Johnny qui a un gros tapis. Mais sinon, Anthony a été éliminé, Eric Koskas a été éliminé, Toll a été éliminé, Almira aussi. Je crois qu'il ne reste plus grand monde. Hein. Ludovic a été éliminé aussi. Donc il reste Johnny pour représenter dignement l'équipe et Davidi. Et quand même, s'il ne pense pas trop à ses cash games sur Internet avec Brice et tout, peut-être qu'il peut arriver à se concentrer et à se qualifier vraiment, parce que la vraie qualif pour la finale. Ah, parce que sinon, c'est pas bon sans rien. Oui. Non, j'ai pas énorme, j'ai 4000 et plein de rouges. 4005, je pense. Plein de rouges, c'est très impressionnant, ça fait très peur. Ouais. Oui, ça veut dire qu'il joue agressif, quoi. Bizarrement, quoi. Comme par hasard. Mais bon, on a rencontré plein de gens de Winamax, de OnePoker, etc. Et ça, c'est super sympa. On échange des trucs. Moi, je leur demande à chaque fois comment ils jouent, pourquoi, comment, s'ils jouent en live sur Internet. Je fais mes petits sondages et je trouve à chaque fois on rencontre des gens vraiment, vraiment super. Et l'ambiance, c'est comment alors? Elle est excellente, l'ambiance. Ça applaudit tout le temps, à chaque sortie. Ouais, non, franchement, c'est une super organisation. Et puis c'est énorme, hein, tournoi à 1200 joueurs, on se croirait à Vegas là, quand on entend les bruits des jetons qui s'entrechoquent. Les jetons sont pas mal. Ouais, les jetons sont bien. Ouais. Franchement, non, c'est pas mal. Bravo. Bravo le France Poker Tour. Et on revient demain, hein, bien sûr, pour voir les finalistes.